Et internotateurs, ici Gelden pour les jeux du cygne. On retrouve notre découverte de l'accès anticipé de Silence of the Sirens. Et on allait s'attaquer à la base de nos derniers adversaires, les adversaires roses. Alors on a une quête que on peut pas faire tout de suite parce que le bâtiment est désactivé. Brûler le camp d'esclaves, donc ce sera peut-être pour plus tard, mais peut-être pas. Et voilà, donc Winky Rogers est parti sur la zone adverse. Alors là, j'ai un téléporteur. J'imagine que c'est le téléporteur qui m'emmène par là. Je vais aller vérifier. Et puis voilà. Ici, je peux construire le dernier bâtiment qui me rapporte plus de sioux, ce qui va me faire quand même 12 000 pépettes par tour, ça commence à être plutôt correct. Ici, on se rajoute 5 000 de cash, allez, hop, 13 000 par tour. Et puis tout le reste, c'est du recrutement. Ça commence à être bien riche, mais ça suffira peut-être pas parce que, mine de rien, je sais pas trop ce que le rose va avoir en stock. Moi, j'ai quand même pris beaucoup de coups dans la tronche. Alors j'ai mes snipers qui restent très très forts, mais eux ils sont quand même plus très très vigous. Eux ils sont solides, mais on a vu que ils étaient capables de... Ils étaient pas invincibles. Eux aussi ils sont forts. Mais bon, pour le reste j'ai des troupes qui sont quand même pas en très très grande forme. Donc on va aller jeter un œil du côté du téléporteur. Voir où est-ce qu'il nous emmène. Ah non, il nous emmène du côté du... D'accord. De ce camp-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais également poser une structure, un chien drone, histoire de m'assurer que ils ne viennent pas s'installer par là. Je vais peut-être aller faire un peu de recrutement ici. Ça me permet quoi? De choper de l'XP. On va aller prendre de l'XP, hein. Ne soyons pas chiches. Hop. Un peu de ressources. Prendre de nouveaux talents, je peux pas vraiment. Là, ce serait plus de sous, mais je vais laisser... Montréal allume-feu sans charger. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, le marché noir? D'accord, échanger des ressources. Là, ça va, je crois que je suis large. Je le choperai au prochain tour. Et... Là, de toute façon, je peux me balader entre mes deux bases. En plus, ça me permettra d'apprendre... Je sais pas si je peux apprendre d'autres trucs... C'est possible que oui. Sage distant. Ouais, ration ambulante. Afficher les ressources. Pas vraiment besoin. Et ici. Apprentissage distant. Bon. Oh. Il y a une explosion qui s'abatte sur tout le champ de bataille. Ouais. Ici, je peux construire la passerelle, ce qui me permettrait de me déplacer un peu plus rapidement. Et puis, Annika, pourquoi est-ce que je t'ai envoyé par là? Est-ce que t'as comme troupe? T'as quasiment pas de troupe, donc c'est pas par là que je veux t'envoyer, c'est par ici. Ce qui lui reste un pouillème de déplacement, mais je peux pas m'en servir. Donc là, je vais utiliser la téléportation entre les bases.
Histoire de passer de l'une à l'autre. Ça va être l'idée. Là, je vais apprendre. Le collège de bio. De tech. Donc, on va aller. Anika, tu vas te TP ici. Alors, logiquement, je peux tout recruter. Ah ouais, ça coûte quand même 20 000. Ouais, sympathique. Mais ça me permet de voir venir. Et alors, comment est-ce qu'on se téléporte d'une base à l'autre? Non, ça je veux pas. Où est-ce que c'est la téléportation? Ici. Et du coup, je peux me voyager. D'accord, voyager ici, ça coûte 1 700 pépettes. Pim, hop, du coup, ça m'apprend la compétence. Je transfère mes troupes. Et le tour est joué. Tout sympathique. Accessoirement. Là, j'ai regagné toute mon énergie, ce qui est plutôt sympathique aussi. Et Annika, bah, je vais la renvoyer de l'autre côté. Non. C'est toi que je vais renvoyer de l'autre côté. Est-ce que ça me coûte plus cher? Tac. Hop. Si je l'envoie ici. Ouais, ça me coûte un peu plus cher, mais j'ai des sous. Et je recruterai au prochain tour. Si elle, je l'envoie. Elle, ça coûte rien parce qu'elle a très peu de troupes. D'accord, donc plus il y a de troupes, plus ça coûte cher. Eh ben, go. Hop. Un petit transfert. Winky Rogers, je vais la laisser là. Toi, tu vas me produire ce qui est déjà amélioré. Très bien. Je vais choper tes 2000 d'XP. Et j'ai tout fait. Pandémie, dommage. Dommage, dommage. J'aurais bien. Tac. Allez, un petit épée encore. Tac. Bien. Je suis rééquipé. Donc, on va repartir. On va aller reprendre le téléporteur dans l'autre sens. Pour ça, il faut juste que toi tu bouges. 2000 d'XP, je veux que tu te déplaces. Je veux que tu prennes ses nas, ses compétences pour lui. Collecteur. Mais c'est ainsi. C'est ainsi. Je vais aller apprendre. Quelque chose et toi. Ok, stop, stop, charger, début de tour. J'ai compris quelque chose. J'ai très mal placé cette bestiole-là parce que je l'ai mise en plein milieu. Démonter. Il fallait pas que je la mette dans le passage. Créer une structure. Ressources insuffisantes. Ah, j'ai passé le mouvement. Hop, mets-toi là. C'est un petit détail, mais qui a son importance. Donc, on recommence avec toi qui récupère toutes les troupes. Tac. Non, tu fais pas. Ça, tu fais ça, tu fais ça. Hop. Alors en vrai, je pourrais aussi me dire, parce que là, j'ai plein de troupes que je peux recruter, je pourrais aussi recruter les plus fortes, parce que ça, on a dit que c'était pas ouf.
Est-ce que je pourrais laisser de côté? Parce que ça fait du dégât à distance. Qu'est-ce que je pourrais recruter? Ça me coûterait 6 000. Ça me coûterait 8 000. Ensuite, j'ai plein de ressources à revendre. Ça, je suis pas fan. Ça, c'est bien sans être. Il y en a que 18. Truc, c'est qu'il y en a quand même pas énormément. La pandémie n'était pas une super idée. Alors, je pourrais prendre ça qui est un heal. C'est une unité de soutien qui est plutôt sympathique. Ça, c'est une unité de CAC, hein, je crois. Créer une énorme déflagration d'énergie qui touche tous les ennemis. Peut survoler les obstacles. Peut attaquer jusqu'à 3 ennemis les uns à côté des autres. 300 PV. Ça combien? 260 PV. Ça peut se déplacer. Du coup, j'ai des tirs avec une portée limitée qui inflige des dégâts de brûlure et de corrosion. Bannière qui bloque les unités ennemies. Oui, ce qui lui permet de se protéger en cas de. T'as plein de tireurs, tu empêches les adversaires d'avancer. C'est fort aussi. J'avais pu le tester dans la démo, celui-là, je me souviens, et j'avais trouvé ça très très fort, voire presque un peu trop. Parce que ça, c'est gentillet. Ça soigne, mais ça soigne une fois par tour. C'est pas. On va dire, c'est pas game changer. Mais je peux pas le dire. Si, je peux faire ça, le cas échéant. Là, je suis vraiment pas fan. Je vais prendre les gros là. Je sais pas si ça a une influence sur le moral. Est-ce que le fait d'avoir. Qu'on voit le moral de nos troupes. Il est là, moral élevé, là j'ai 25. Le moral augmente si toutes les unités et leurs commandants sont de la même faction. D'accord. Alors si, là j'ai 25. Et si je mets ça, j'ai 33. Et. Si, alors je vais d'abord faire ça, histoire d'utiliser mon de construction. Et si je mets deux unités d'une autre faction, est-ce que ça fait encore 10 000 le moral? Oui, 19, d'accord. Donc, plus il y a de diversité de troupes. Bon, allez, on va rester sur du. Bon, allez, puis ça, je le mettrai sur l'autre, là, sur lui, puisqu'il est de la même faction pour le coup. Go au téléporteur. Et j'ai plus de sous. Mais bon, j'ai un marché noir, le cas échéant. Que je peux utiliser. Toi, tu bouges plus. De toute façon, t'as plus assez de mouvement. J'ai pas de. Si j'ai rué. Que je pourrais utiliser. Il reste combien de mouvements? 2. 2 et ça apporte. C'est pour construire. Mon petit truc qui fait de la vision. Eh ben tiens, regardez qui v'là. Salut. Hop. T'es modéré? Allez. Il aurait pu défoncer mon héros, mais il l'a pas fait. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Ça va être pénible. Ça va être pénible. Le reste, ça va se gérer. Les 76, eux, les 76, là, ils vont être très très méchants. Ils vont me faire très très mal.
Je vais attendre, mais où est-ce qu'il peut aller? Ça va pas très très loin, ça non plus. Mais là, je peux pas tirer. Donc, de toute façon, il faut que j'attende avec lui aussi. Et là, je vais sniper les 36 ou les 44. Ça, c'est du dégât instant, ça, c'est du dégât différé. Mais ça fait du dégât de zone. Bah, moins 17, saloperie. On va réparer avant qu'il ne tire. Tac. Et tac. Eh, chouette, un autre tir. Allez, bim. Je te crains pas beaucoup. Pourquoi j'ai l'impression que vous n'entendez pas le son du jeu? Suis en train de voir qu'il y a un souci. Bien, j'ai réglé le problème. Mais j'ai peut-être baissé un peu le son du jeu, je sais pas pourquoi. J'ai. Ah, j'avais pas vu qu'on pouvait retenter le combat. Donc, qui est-ce qui joue? C'est mon. Ah oui, là il en tue 5 d'un coup quand même. Ah, saloperie! Ah, j'avais oublié que celui-là il faisait une attaque à distance. Chose. Bien. Pareil encore. Hein. Tirer tant qu'à faire. Celui-ci, ça sera pas échappé, mais. Il m'aura fait mal, le saligo. Mais il se sera pas échappé. Biotique 3. Hop. Apprendre clonage. Ultrason perturbateur. Se transformer en unité sur le champ de bataille. Désactive temporairement les capacités spéciales des unités. Une unité sur le champ de bataille, le clone n'a qu'un PV et aucune capacité spéciale. Ouais, ça c'est fort quand même. Ne serait-ce que parce qu'à mon avis, l'IA ne sait pas le gérer. Plus 20 de morale, j'aurais presque dû le faire avant. Mais bon, logiquement, j'ai laté son perso le plus fort. Un petit camp d'esclaves à. Oui, parce que du coup, j'ai une troupe en moins. Et
Qu'est-ce que tu me proposes? Rien de très intéressant. Ah, et puis. Et tout le reste, bah. Vite fuir. Alors, où est-ce que je peux aller? Ça, c'est quoi? C'est une ferme pillée pour faire une bioferme. J'aurais besoin de savoir où peut être mon adversaire. Là, on va faire l'antenne à plume, histoire de faire un apprentissage distant. Tac. Hop, qu'est-ce que tu peux apprendre? Sous, ça tombe bien, des sous, j'en ai. Alors, toi, je voulais que tu me fasses. Bon, maintenant c'est moins utile. Normalement, je risque moins. Anna. Tu vas. C'est ça ici. Et puis tu vas rentrer à la maison. Et tu vas poireauter là-bas. Alors, allons à la chasse aux roses. Péter autour d'avant. Ah mais attends, là je suis au bord de la carte. Va supposer qu'il est plutôt par là-bas. N'ai pas de consommable intéressant. Si j'ai ça qui me permet de booster le moral, je vais le prendre. Ah, puis si on va continuer de construire, même si c'est moins intéressant maintenant, j'ai fait à peu près tout ce qui m'intéressait. Les consommables, j'aurais pu en prendre tant que j'y étais, mais je l'ai pas fait. Hop. Apprentissage distant. Ah oui, c'est que là, je peux acheter des capacités maintenant. C'est encore ces petites saloperies qui. Vision. Voilà. J'aime savoir où sont mes adversaires. Et on continue à construire ici. Ou pas. Non, de rien. Fin de tour. On s'approche vraiment de la fin. Hop, je vais essayer de pas lui laisser le temps de recruter quoi que ce soit. Et sa base est là. Hop. Il y a son sniper mais qui tire après moi. Ça tombe très très bien. Et qui rejoue. Hop. Et presque le temps d'y aller. Et j'ai le temps d'y aller. Avec un petit moment supplémentaire, il n'a plus rien. C'est chiant ça. Il a décidé qu'il voulait m'emmerder. Ah, vache.
Ah, j'ai pété les murs. Là, je pète la deuxième tourelle. Il sert pas à grand chose. Puis il va grenader. Celui-ci. Oula. Hop, j'apprends plein de compétences. T'en es où de ta base? T'as même pas fini de la développer. Espèce de naze! Et là aussi, je sais pas pourquoi, j'en ai que deux. J'aime bien le design des villes. C'est mignon. C'est pas ouf, c'est pas exceptionnel. Mais je trouvais rigolo. Donc logiquement, voilà, là il lui reste un héros à difficulté modérée quand même. Donc il va falloir que je l'arrête et je pense. Ah, il a un deuxième héros. Si je regarde sur la carte, c'est les petits points. Ah non, ça c'est la tourelle. Ok. Et bah il va falloir que j'aille chercher son deuxième zéro. Mais je vais attendre ici. Est-ce que je peux recruter? Alors où est-ce que c'est? Est-ce que c'est le truc pour recruter? C'est là, Académie. Non. Voilà. Il est où le bâtiment principal de recrutement? C'est pas là. Là. Centre de recrutement. Alors, qu'est-ce que je peux recruter? Canon déflagrant. Ça fait quoi ça? Lance explosive, sauter par-dessus les obstacles. Ça, c'est assez chiant. C'est le genre de troupe qui est pénible de jouer contre. Peut attaquer les trois ennemis d'un côté des autres, projectiles toxiques dans toutes les directions. Ce sera toujours mieux que ça. Hein. Mais il n'y en a pas beaucoup. Oui, hop. Faible. Ah ouais, ça passe à faible. Allez. Viens la chasse. Et perds ta place. Hop. Ah, ça c'est chiant, ces trucs qui se cassent, qui se cachent, pardon. Lui, est-ce que je peux pas... Si, je peux lui faire une petite armure allégée. Ce qui lui permettrait d'aller plus vite. Ouais, eux deux. Ouais, et là du coup je pourrais tirer avant tous les autres. Non, je suis trop loin pour pouvoir le shooter lui. Là je pourrais avoir... Ouais, c'est mieux que rien. Allez, go. Aïe. 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 Bestiole. Ah, très bien le... Or, il est un peu mort derrière. Aïe. Ah, ça, c'est sa capacité spéciale. Bon, ceci dit, il a déjà répliqué, donc... Hop. Il avait déjà répliqué, mais ça suffit pas. Lui, on sait qu'il fait très très mal. Eux, ils peuvent tirer. Mais c'est lui qui va me faire très très mal et qui va très très mourir. Bon, le hop, allez. Comme ça, il ne tirera pas dessus. Oh, salut. Vache. Eh bien, il fait une saloperie, ça. Ouais, ça, c'est un peu comme la... Comme mon artillerie mobile. Hop.
Dommage. Je suis à portée de rien du tout, donc on va attendre. Une petite grenade. Pour le plaisir. Allez, boum. Pas content. Oh, fait. Bon, très bien. Ça t'apprendra, gros vilain. Et du coup, l'avantage, c'est que maintenant, il a porté. Mon plan était diabolique. Putain, il y a tout qui pète, je sais pas pourquoi. Ah si, là, c'était mon artillerie qui a pété. Bah, il est quasi mort, hein. Mais dans le cas de mort, il en reste un. Qu'est-ce qu'il va gérer en premier? Les deux, mais ils sont pas gérés. Ouais, 3 tirs d'artillerie qui servent à rien. Allez. Burn. Ouais, il m'a quand même détruit mes... toutes mes troupes de niveau avancé. Hop, plein de ressources. Tac. Et j'ai toutes mes compétences au niveau max. Grâce au temps de collecteur, j'ai gagné un artefact de plus. Et le rosa. Effectivement, ouais. 4h37 et 26 secondes, j'ai gagné. Victoire, tout le territoire est unifié, la réussite de votre colonie n'échappera sans doute pas à l'alliance de la ville-temple avec à la clé une protection et des routes commerciales bien méritées. Toutefois, dans le chaos du conflit, une question demeure sans réponse. Qui a construit les ponts qui relient maintenant les régions? Qui d'autre pourrait profiter de cet affrontement meurtrier? Bon, d'accord, ça fait deux questions. Et voilà. Et ben, j'espère que ça vous aura plu, cette petite partie, fort sympathique. Hein. Si je dois rajouter quelques mots de conclusion, de perception un peu du jeu, hein. On a vraiment une vibe Heroes of Might and Magic, c'est très 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 clair. Vraiment, on a l'impression de... Enfin, bon, j'ai beaucoup joué à ces jeux-là, et on retrouve vraiment le même état d'esprit. Avec ses héros, ses troupes, ses villes que l'on va développer et les combats tactiques avec la recherche de la meilleure utilisation de chacune des troupes. Hein. Elles sont pas toutes aussi efficaces les unes que les autres. Je pense que les snipes sont vraiment forts. Ils agissent vite, ils font mal. Alors certes, ils n'ont qu'un seul tir, mais... Voilà, en tout cas sur les troupes que j'ai testées là sur cette partie, les grenades tox, je pense, m'ont aussi beaucoup aidé. Et l'artillerie, même si elle a quand même le gros défaut de tirer tardivement, quand même ça fait beaucoup de dégâts. Pour le reste, voilà, bon, l'équilibrage est certainement à revoir, hein, mais on est sur un jeu qui est en accès anticipé. Je rappelle que pour l'instant il y a 3 factions, ils ont l'intention, je crois, d'en mettre 5. On peut vérifier si on... va voir ce que nous dit la roadmap. Si je reviens, là, je vais y arriver. Tac. Tac. Non, c'est pas ça que je veux. C'est des tchèques. Vu les noms, ça ressemble à des tchèques. Ouais, Prague. Non. Clairement, vu les noms, ça ressemble plutôt à des tchèques. Voilà, 5 factions jouables, c'est l'objectif. Une campagne avec une histoire complète, une zone de souterrain ou de donjon, donc plutôt que d'avoir juste la surface, plusieurs arbres de compétences, un éditeur de cartes et un système de script pour faire les propres parties, plus d'armées neutres, plus d'adversaires neutres. Plus de cartes de conquête, hein, d'escarmouches comme je viens de vous présenter, plus de biomes et d'objets interactifs, une intégration du Steam Workshop et du jeu en ligne multijoueur. C'est la moindre des choses, donc il n'y a pas de... Il y a juste une année annoncée, on ne sait pas combien de temps va durer l'accès anticipé. Mais voilà, on a une base de jeu qui est très solide. Est-ce que... ça suffira à en faire un grand jeu, je ne saurais pas dire. Moi, je me suis bien pris au jeu sur cette partie-là. J'y regoûterai certainement, peut-être un peu plus tard, dans le développement de l'accès anticipé.
L'année prochaine devrait sortir Heroes Olden Era, donc le, on va dire Heroes of Might Magic 8. Est-ce que Silence of the Siren ne va pas souffrir de cette sortie-là? Est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt à développer un peu cela pour plus tard? On verra. Voilà. Ah oui, il y a projet de traduction communautaire. Nous, on voit qu'en français, déjà, là, ça, je n'en ai pas parlé, hein, mais c'est vrai que on a une traduction française qui fonctionne. Il n'y a pas grand-chose à traduire, mais quand même, globalement, c'est propre. Hein, j'ai pas vu de. Il n'y a rien qui m'a choqué. Et tous les jeux ne peuvent pas se targuer d'avoir cette traduction française au départ. Bref, allez, j'arrête de causer. N'hésitez pas à tester cet accès anticipé. Il y a vraiment de quoi faire si vous aimez ce style de jeu. Et puis n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette partie, ce que vous avez pensé de cette découverte de Silence of the Siren. Et puis on se retrouve bientôt sur d'autres jeux. Des bisous, bye bye!